Hey les amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo les gars. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a une maison. J'ai pas Optifine donc je peux pas zoomer les gars. Mais aujourd'hui on va essayer d'aller voir la mère de Gumball et de la piéger ou de la troller ou je sais pas, on va essayer de la capturer. Je sais pas ce qu'on va faire encore aujourd'hui les gars. Vous allez voir ça juste après. Juste avant de commencer les gars, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo et à partager bien sûr. Et surtout les gars, abonnez-vous parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne et on vise des 100 000 abonnés cette année. Du coup les gars, abonnez-vous tous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ok du coup les gens, c'est parti, hop, on va se mettre en vue comme ceci. Et là on a un petit temple, je sais pas pourquoi j'ai spawné ici. Du coup on va aller tout droit les gars parce que là-bas il me semble qu'il y a la maison de Gumball ou de sa mère. Je sais pas, pour l'instant dans les épisodes qu'on a fait en capture ou pour trouver les bases, il me semble qu'on a juste fait Gumball. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de trouver la mère de Gumball. Et s'il y a on va dire 1000 likes sous cette vidéo les gars, j'essaierai de trouver ou de capturer le père de Gumball ou la sœur de Gumball. Du coup les gars, regardez, il y a la maison de Gumball, je vais pas tout de suite rentrer pour pas me faire cramer. Oh. Les gars, je sais pas si vous avez entendu, il y a un chat ou je sais pas, enfin... Je... Oula. Pas le droit de faire ça. Oula, je sais pas ce qu'ils font. J'ai entendu une voix les gars. Oh regardez, il y a des cheveux roses. Oh. Je sais pas à qui... Oh les gars, il y a des cheveux roses, je sais pas si vous voyez, regardez. Je vais reculer. Oula, je sais pas à qui il parle. Il a dit, vous t'es puni, putain. Est-ce que les gars, je rentre dans la maison tout de suite? Allez les gars, on va rentrer, on va pas réfléchir. Hop, par contre c'est vraiment joli. Alors Gumball House, on va pas faire trop de bruit les gars. On va faire d'abord le tour, ok, on peut pas faire le tour par ici et par là. La maison est vraiment très jolie quand même hein. Est-ce qu'on peut voir Gumball là ici, enfin la mère de Gumball pardon. Non on peut pas la voir gros. Du coup on va tourner tout autour de la maison. On va casser la petite barricade ici pour passer, pour éviter de faire le tour. Du coup on va rentrer dans la Gumball House les gars. C'est parti, oh, oh les gars regardez, il y a des cheveux. Il y a des cheveux, oh, il y a des cheveux roses, bon on va rentrer. On va rentrer sans toquer les gars. Allez. Oh, 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 oh les gars, regardez ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'a fait la mère de Gumball? Regardez, regardez. Oh, les gars, si vous avez, oh les gars, si vous avez vu ce que la mère de Gumball est en train de faire, dites-moi les dans les commentaires. Putain. Oh, salut. T'es qui toi? Hein? Jeune homme, mais c'est pas comme ça qu'on fait pour aller rentrer chez les gens. Oula, oula, oula. Je crois qu'elle est en train de se calmer. Espèce de mal élevé, allez, casse-toi. Oula, oula, oula. Bon, on va se casser les gars vite fait. On va attendre qu'elle se calme un peu. Putain regardez, elle a vraiment énervé, regardez. Elle arrivait, elle m'a dit comme quoi je pouvais pas rentrer comme ça. Bon elle a raison un peu, hein, faut pas rentrer chez les gens comme ça les gars. Bon on va essayer de retenter d'y aller. Du coup voilà. Alors on va monter l'escalier. On va toquer cette fois. Toc toc toc. Oula oula oula. Attendez la mère de Gumball. Ouais, tu m'ouvres. Du coup je crois qu'on a fait peur la mère de Gumball. J'espère qu'elle va nous ouvrir les gars. Ah salut. Bonjour. Je suis un pote. Oui, je suis un pote à Gumball. Ah, mais fallait le dire plus tôt, allez rentre, je t'en prie mon garçon. Ok, donc elle nous fait rentrer. Oula. Attention au bordel là. Ouais, ouais. Y a... Pourquoi il y a plein de chats? Putain, mon petit. Wesh, wesh. Pourquoi il y a tant de chats? Bah, ça c'est mes maris quoi. C'était Marie, t'en as plusieurs. Ouais, ouais, mais mon vrai mari le sait pas donc ça restera entre nous, d'accord? Ah, le papa de Gumball sait pas que vous en avez plusieurs. Ok, donc les gars, Gumball, il a plusieurs papas, enfin il a un papa, son vrai papa, et regardez, il y en a plein, il y en a 1, 2, 3, 4. Je peux visiter la maison? T'as pas tout vu, va voir en bas, mais ne dis pas Gumball surtout, hein. Ouais, ok, on va descendre en bas, les gars. Oh, putain, les gars, regardez tout ce qu'il y a. Oh, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ils font quoi les 3, là? Oh, regardez ce qu'ils font, les gars, les 3, oh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24. Ouais, il y en a plus que. Il y en a bien plus de 30, les gars. Dans le coffre, est-ce qu'il y a quelque chose, les gars? Ah, attendez. Oh, 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 j'ai tué un. Ouais, du coup. Qu'est-ce que t'as fait? Oula, oula, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il était déjà mort, il était déjà mort, le chat. Putain, je crois qu'elle m'a vu tuer un de ses maris. C'est pas grave, de toute façon, elle en a plein de des maris. C'est pas ça qui manque, hein. Ah, oula. T'as un gros postérieur, c'est bon, hein. Ah, ouais? Ah ouais, t'en as beaucoup. On va remonter en haut les gars. La mère de Gumball commence à me faire peur les gars. Mettez dans les commentaires, la mère de Gumball fait peur les gars. Ici c'est quoi? Sinon t'as une petite copine? Moi? Non non. Pourquoi? Non. Oula, je crois que la mère de Gumball essaye de me draguer les gars. Voilà. Si vous voulez un épisode où j'essaye de draguer la mère de Gumball, dites-moi dans les commentaires et je le ferai les gars. À 1500 on le fait les gars. Je peux prendre les poissons qui sont sur les murs? Fais comme chez toi mon garçon. Oula oula oula. Bon, elle est un peu bizarre, les gars. Bon, on va prendre les poissons, même si elle les drop pas. Ok, c'est pas grave. On va sortir. On se voit tout à l'heure. Ouais, ouais,
bien sûr. Allez, vite, hein. Oui, t'inquiète, à tout à l'heure. Oui, oui, vas-y. Bon, les gars, pour l'instant. On est à où? Oh. Oula, je sais pas. On est en train de s'éloigner, du coup, je pense qu'on va moins entendre ce qu'elle fait. Mais bon, les gars, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une petite prison et après, on va faire en sorte de faire venir la mère de Gumball avec des poissons ou je ne sais pas quoi. On va regarder ça tout de suite et du coup, on va essayer de capturer la mère de Gumball. C'est parti, les gars. Du coup, je me remets en vue comme ceci. On va se give quelques trucs, quelques matériaux pour construire la prison. De toute façon, comme vous l'avez vu, on va la construire en bedrock. Ah, je sais même pas si ça s'appelait de l'adminium. Bref, on va pas la faire juste en face, sinon elle va commencer à cramer la prison. On va la faire ici, regardez. Hop. On va faire un petit carré. Je sais pas si je fais le sol en bedrock aussi, pour éviter qu'elle s'échappe. Parce que c'est un chat, ça creuse et tout. Ouais, on va la faire aussi le sol. Tac, voilà. On fait la prison comme ça. Donc si vous voulez refaire la prison, n'hésitez pas à la refaire et à m'envoyer des photos sur Snap ou sur Discord, les gars. Bien sûr, mon Discord il est en description, donc pour ceux qui sont jusqu'à là de la vidéo, dites-le moi dans les commentaires, vous mettez hashtag Gumball, comme ça moi je sais qui est resté jusqu'à là, vous mettez hashtag le chat, comme ça moi je sais qui est resté jusqu'à la fin, et les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre des barres de Lander. Alors je sais pas, c'est quoi ça? Oh, il y a plusieurs têtes et tout. Ah, c'est bizarre. Ah oui, parce que c'est un mode, du coup. Les barres de Lander, elles sont où? Alors je sais pas si on peut en prendre. Regardez, il y a des boissons. Oh, ah, c'est stylé. Les popos, c'est des boissons maintenant. Alors, du coup, les barres de lanterne, où sont-elles? Je sais pas si on peut le mettre dans les recherches directement. Hop. Ok, elles sont là, regardez. À mon avis, on va faire les deux. Je vais essayer de faire les deux, les gars, regardez. D'intervertir entre les barres et ça. Ah, ça peut faire stylé. Ah ouais, nickel, regardez. On va faire ça. Hop. Comme ça, on va faire un peu des deux, les gars. Ça fera joli. Et elle va pas cramer la prison, au moins. Du coup, maintenant, on met des petites barres. Et là, ça fait une vraie prison, les gars, vous allez voir ça. Pour capturer la mère de Gumball. Si j'arrive à capturer la mère de Gumball, les gars, je veux que vous lâchiez un gros like sous cette vidéo. Ensuite, on va remettre les petites barres ici. Même là, il me semble. Je sais pas. On va faire comme ça. Ou non, on va faire des petits traits comme ça, regardez. Hop. Voilà. Ensuite, on fait la même chose juste ici. Tac. Hop. On en met là. Ça, on va casser ça par contre. Ensuite, je sais pas si le portail, je le fais. Si je le fais automatique ou je le fais avec de la redstone, je sais pas du tout. On va voir ça après, les gars. De toute façon, là on finit la prison, regardez, on finit de mettre les barrières. Après on met le petit toit et la prison sera terminée et on ira chercher la mère de Gumball pour la capturer. Du coup là, je sais pas ce qu'elle est en train de faire, les gars. Je pense qu'elle est encore avec ses chats là-bas. Ça doit être bizarre, elle doit vraiment avoir des bails chelous avec ses chats. Du coup là, on a fait tous les barreaux de la prison. On a juste à mettre de la bedrock juste sur le toit, tac, comme ceci. Hop. Hop, on recouvre comme ça le toit. On va casser un peu l'arbre pour éviter qu'elle puisse échapper grâce à l'arbre. Parce que c'est des gars, faut pas oublier que la mère de Gumball, c'est un chat aussi. Je crois que c'est le père de Gumball, c'est un lapin ou un truc comme ça. Du coup, dites-moi ça dans les commentaires parce que je suis vraiment pas sûr. Est-ce que la prison l'a fait à toit ouvert ou pas? Ou je ferme? Non, je vais fermer, les gars. Comme ça, ça va être mieux. Hop. Et on va faire une petite porte, comme ça au moins on pourra faire venir la mère de Gumball. Du coup, on va faire comment, les gars? On va faire hop, comme ceci. On va casser le barreau qui est juste là. Et voilà, donc notre prison, elle est terminée, les gars. On met une petite bedrock ici. On va prendre une porte. Alors, est-ce que si je mets porte, je trouve nickel. On met la porte comme ceci. Tac. On va mettre un petit levier ou je sais pas, plaque de pression. Je sais pas si elle va venir. On va prendre un levier. Non, plaque de pression, allez, tac. On va tenter la plaque de pression. J'espère que ça va marcher. On va prendre celle-ci, sinon ça va être cramé. On va prendre, voilà, elle. Hop, on la met juste devant, comme ça, moi, dès qu'elle rentrera. Et là, elle sera en prison. Elle ne pourra plus sortir. Du coup, voilà. Alors nous, on va mettre ça comme ça. Et là, la prison, elle est terminée, les gars. C'est parti, on va aller voir la mère de Gumball. Et on va aller essayer de la faire venir dans la prison. Du coup, on va prendre du poisson. Alors, le poisson, est-ce qu'on en a? On va prendre du Nemo. Et hop, c'est le poisson qui ressemble à Nemo. Oh, les gars, je sais pas si vous avez vu, regardez, elle est en train de pêcher. Oh, super, bah comme ça, moi, ça veut dire qu'elle veut du poisson. Salut la mère de Gumball. Ah, tu fais quoi, là? Je suis en train de pêcher pour faire le dîner de Gumball et son frère. Ah ouais, mais ouais. Regarde, je suis en train de regarder. Il y a du poisson par terre, faut le ramasser. Regarde, regarde, il y a du poisson qui tombe. Seigneur Jésus de Nazareth. Oula, Oulala. Et demain tu fais quoi? Oulala. Demain t'arrêtes, non? Jésus de Nazareth. Promis, demain t'arrêtes, non? Ok. Oh, les gars, comment ça partir? Hey, regarde, il y en a d'autres ici. Oh, mais what? Regarde, il faut qu'elle suive la ligne. Ça tombe du ciel, hein, quoi.
Ouais, il me semble que ça tombe du ciel, faut en profiter. Hein. Faut en profiter, ça veut dire. Ça porte bonheur, ça. Le dieu des chats existe vraiment, du coup. Oula, elle est en train de dire que le dieu des chats existe vraiment, les gars. Regardez, il y en a encore plein là. Oh, voilà là. Oula, regarde. En plus, c'est une émo. Ouais, regardez, je vais lancer là-bas dans la prison. Hop. Oula, elle est en train de déguster le poisson, les gars. Hop. Oula. Regarde, il y en a plein. Oh, mais regardez, elle est en train de manger le machin. Oh oui, regarde. Il y en a plein, regarde là-bas. Regarde là-bas. Oh, regardez. On l'a emprisonné, regardez les gars. Elle s'en est pas encore rendu compte, je crois. Regardez. Elle est en train de péter un câble, les gars, du coup. Regardez. Tu peux plus sortir. Ah. Ah non, oula, on est tombé, les gars. Oh, tu peux plus sortir. Comment tu t'appelles? Gumbo quoi? Gumball, mon nom de famille. Ah, son nom de famille, c'est Gumball, d'accord. Ok, bon les gars, regardez, elle est emprisonnée. Je m'appelle Nicole. Ah, tu t'appelles Nicole, ok. C'est ça, Nicole. Mais mettez, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là de la vidéo, mettez Nicole, on a réussi à emprisonner Nicole. Mettez Nicole en prison. Oh, elle a réussi à sortir. Les gars, elle a réussi à sortir, je sais pas comment elle a fait. Ah oui, c'est un chat, il est tout fin. Les gars, elle a réussi à sortir. Non, oh putain, elle peut. Regardez, elle peut rentrer et sortir. Oh merde, la prison, les gars, l'été. Fallait pas qu'on fasse un barreau sur deux, sinon. Ah oui, elle pouvait sortir, il y avait un petit creux, parce que c'est un chat. Faut pas oublier qu'elle peut rentrer son ventre. Bon, les gars, c'est pas grave. On aura quand même capturé Gumball, la mère de Gumball. Bon, on va la laisser sortir. Tiens, vas-y, sors, t'es libéré. Oh là là, du coup, voilà, elle est libérée, les gars. Oula, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oh, elle est en train de nager. Oula, regardez ça. N'importe quoi. Oula. Bon, vas-y, je te laisse déguster ton poisson, Nicole. Bon, allez. Merci. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ceci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un max de likes et activez la cloche de notification. Et n'hésitez pas à me suivre sur Discord. C'était Awariz et Nicole, la mère de Gumbo. Ciao tout le monde.